à tous les auditeurs qui viennent de nous rejoindre. Vous écoutez le Centauride de Lego City Radio. Et laissez-moi vous dire que la météo prévoit une journée chaude, très chaude. Ça fait déjà 2 ans que j'ai été muté ailleurs. Mais ça a fait de moi un meilleur flic. Plus futé, plus rapide. Alors, qu'est-ce qui vous fait revenir ici, Chase Macken? Une vieille connaissance. Une promesse à tenir. Une dette d'honneur à rembourser. Non, mais c'est pour affaires ou pour le loisir? Je dois remplir votre formulaire. Ni l'un ni l'autre. Ou bien les deux. Ouais, mais il faut vraiment que je coche une déca. I love we go on! Et en bon vieux loup de mer, je vais mettre mon bateau à quai tout en douceur. Qu'est-ce qui vous amène à Lego City, ma petite dame? Ce bateau? Oh, petite sotte! Mère Gleason. Merci beaucoup d'être revenu, Chase. Je sais que ça n'a pas dû être facile pour vous. J'ai dû faire refaire mon passeport. Je voulais parler de votre période d'exil, mais bon, venons-en droit au but. Rex Fury s'est échappé et rôde dans Lego City. Hein? Et comment va Natalia? Elle va bien. Elle est toujours un témoin sous protection. Il faut que je lui parle. Je vous trouverai son numéro. Mais si vous voulez vraiment la protéger, trouvez Rex Fury et remettez-le à la justice. Encore une fois. Chase, cette ville est en proie à une vague de criminalité. Vraiment? Mais oui! Regardez! Et je suis certaine que Rex Fury est derrière tout ça. Vous êtes le seul que je crois capable de l'arrêter, Chase. Allez au commissariat et attrapez-moi, Rex Fury.
Hé, hey, vous, vous avez besoin d'aide avec ces donuts? Non, ça va, merci. En fait, je m'appelle Frank Sherry. Chase. Chase McCain. Chase McCain? Mais vous êtes une légende! Mais c'est bien vous qui avez fait tomber Rex Fury! Oh, ça a été un travail d'équipe. C'est le chef adjoint Dunby qui a procédé à l'arrestation. Et je n'ai rien d'une légende. Je suis juste un flic ordinaire. Comme vous, chéri. peut-être pas tout à fait comme vous. Alors, ça vous dirait de me faire visiter le nouveau commissariat? Pour moi, ce serait un honneur! Je vais vous attendre à l'intérieur. Ok. Natalia? Chase! Oui, c'est moi. Est-ce que ça va? Chargé! Non, mais ça va pas la tête! Tu ne peux pas m'appeler! Je suis un témoin protégé! Un témoin protégé! J'étais inquiet. Rex est en cavale. Je me suis dit qu'il allait te chercher. Je sais, mais il n'est pas à ma recherche. Le chef de la police lui-même me l'a dit. Rex a fui Lego City. Hein? Mais le maire vient de me dire qu'il était encore là. Quoi? Tu veux que je... Oui. Je veux être sûr que tu es en sécurité. C'est à cause de toi que je suis dans ce pétrin, d'abord. Mais où es-tu? Je ne te le dirai pas. Natalia Smith est demandée à l'accueil de Mercy Hearts. À l'hôpital Mercy Hearts? Non. Enfin, si. Mais ne t'avise pas de venir ici, parce que si Rex est sur mes traces, je reste pas dans les parages. Rex... Franck. Je lave l'escalier. Mais j'ai oublié de prendre de l'eau pour laver l'escalier. J'espère que le chef remarquera que j'ai changé de coiffure aujourd'hui. Que je sois pas venu pour rien le crâne rasé toute la semaine dernière. Franck. Oh, ces tâches ne s'en vont pas du tout. J'aurais dû m'inscrire à cette formation. Balayeur d'avenir. Qu'est-ce que vous voulez? Franck! Bon, je vais juste les frotter à la serpillière alors. C'est ce que font les agents d'entretien à la télé. Ça serait chouette, ça! D'être agent d'entretien à la télé. Franck! Le chef fêtera ses 20 ans d'ancienneté dans la police la semaine prochaine. Comment je vais faire tenir autant de bougies sur un donut? Oh, ça y est! Cette marche commence à être plus propre. J'ai l'impression d'y voir mon visage, dessiné en traces de boue. Franck! Je suis occupé. Dites-moi ça par email. À ce rythme, j'aurai fini l'escalier d'ici la pause repas. Ensuite... J'astiquerai ma tasse de café et la journée sera finie. Franck! Les journaux peuvent bien écrire que la police est incapable de faire le ménage dans la ville. Au moins, cet escalier est propre, lui. Faut juste pas regarder de trop près. Donc, jusqu'à ce qu'on ait retrouvé l'appareil photo, il faut faire les photos signalétiques des gens à la photocopieuse. Bon, bah d'accord. Franck! Et puis ça sert à rien de nettoyer à fond. Dunby va encore laisser de la boue ici. Franck! Tu es sûr que c'est sans danger, Franck? Bien sûr que c'est... Oh.
Oh, voici notre ordinateur central. D'habitude, il fume pas comme ça. Il a été piraté ce matin. Ça a déclenché une alerte de sécurité et verrouillé l'ascenseur. Mais il n'a explosé qu'une fois que Frank a essayé de le réparer. Avec un marteau. Oh. Ordinateur central opérationnel. Mesure de sécurité levée. Fonctionnement de l'ascenseur rétabli. Hey, pas mal. Je vais essayer de trouver qui l'avait piraté. Oh, et si t'as des problèmes, je t'aiderai. Je m'y connais à fond en ordinateur. Ordinateur. Ouais, c'est ça, ordinateur. Allez, au sous-sol. Où est-il d'ailleurs? Ça fait bien 20 minutes qu'il ne m'a pas crié dessus. Bien, madame le maire. Je vais faire un briefing sur Rex à mon équipe, mais je suis sûr qu'il y a longtemps qu'il est parti. De quoi elle se mêle? Me faire recruter un spécialiste qu'elle fait venir de l'étranger? Chase McCain. Dumby? C'est vous, le nouveau chef de la police? Non. Alors... Vous embaucher ne me plaît pas trop, McCain, mais ça vous oblige à suivre mes ordres. Et pour commencer, vous allez filer au sous-sol et m'enfiler un uniforme, compris? Quelle charmante retrouvaille! Chérie, avez-vous mis ces fournitures cruciales sur mon bureau? Oui, chef! Je vais dans mon bureau. Je ferai un briefing sur Rex Fury dans 10 minutes. Même s'il est sans doute à des milliers de kilomètres d'ici en ce moment. Et je veux que personne ne me dérange! Waouh! Oui! Il a vraiment l'air de meilleure humeur aujourd'hui! Venez, allons vous trouver un uniforme! Voici le sous-sol! Je vais vous faire visiter. Là, c'est le comptoir de Chuck, le responsable des véhicules. Au début, il ne vous laisse conduire qu'un seul type de voiture. Mais si vous faites bien votre travail, vous aurez beaucoup plus de choix. Ah oui? À combien de véhicules avez-vous accès, Frank? Bon, il vaudrait mieux qu'on continue notre visite. L'ascenseur qui monte là-haut est hors service. Chuck dit que c'est pour notre propre sécurité. Il y aurait un monstre là-haut. Un monstre? Ouais. Ne le laissez pas me dévorer. Bien sûr, Frank. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte? Oh, ça! Nous y reviendrons plus tard. C'est spécial. Venez, allons vous trouver un uniforme. On a reçu une livraison ce matin. Il y en a sûrement un quelque part. À mes débuts, j'ai dû utiliser l'ancienne tenue d'un autre agent. J'avais pas mal d'allure en jupe. Regardez à l'intérieur de ces caisses. C'est pire que les cours de sport à l'école, hein. Allez, un peu plus d'effort. Monsieur Simmons me criait dessus, mais le chef Dumby s'est moqué de mes grosses chevilles. Vous devriez tous vous dépenser à 110%. Et faire des maths en même temps. Oh, c'est méchant. Quand ça fait mal, c'est bon signe. Faut sentir l'effort. Et encore un cliché, hein? Pourquoi le mobilier est-il toujours livré en kit de nos jours? Ça vous va bien? Maintenant que vous avez votre uniforme, je vais vous montrer l'endroit spécial. C'est le magasin des fournitures.
J'espère qu'elle y est là. Ellie, tu es là? C'est toi, Franck chéri? Attends une minute. Ici, c'est le magasin des fournitures et le bureau des scellés. La fille qui en est responsable s'appelle... Ellie Phillips. Salut les gars! Oh, je me doutais pas que t'étais là. Tu viens de me parler, Franck. Salut, je m'appelle Chase. Ouais, c'est le type dont tu m'as parlé. Chase McCain! Oh, ravi de vous rencontrer, Chase McCain. Mon oncle Duke m'a tout raconté sur vous et cette affaire Rex Fury d'il y a quelques années. Vraiment? Pas d'inquiétude. On est quelques-uns ici à savoir que c'est vous qui avez fait tout le boulot. Voici un communicateur de police. Il a toutes les fonctions d'un bon vieux téléphone et bien plus encore. Il peut notamment m'informer de tout ce que vous faites. Vous devrez le connecter à l'ordinateur central dans le hall avant de pouvoir l'utiliser. Tu penses pouvoir aider Chase à faire ça pour moi, chérie? Oh, quel bon garçon! Je vous appellerai une fois que vous serez connecté, Chase. Désolée, faut que j'aille enregistrer les pièces à conviction du cambriolage d'une pâtisserie. Sinon, le chef va les manger. Je retiens l'ascenseur. Par ici, Chase. Voilà, allez-y, utilisez l'ordinateur central. Communicateur connecté. Mise à jour en cours. Terminé à 1%. Ah, ces barres de progression. Hey, Franck! Faut que quelqu'un aille réveiller le chef. Je travaille trop dur. Ah, moi, j'y vais pas. Hein. Il va encore me renvoyer. Ah, je n'ai pas très envie de ce briefing sur Rex Fury, de toute façon. Tu as encore la clé de son bureau? Ben, je la tiens dans ma main, non? Non. Oh, dans ce cas, je l'ai perdu. Terminé à 100%. Je vais vous aider à la trouver. Plus vite le chef se réveillera, et plus vite je pourrai commencer mon véritable travail de police. Merci. Je crois que je l'ai perdu à l'étage! Hey, Chase, ça y est, votre communicateur fonctionne. Oui, mais là, je dois aider Franck à trouver une clé qu'il a perdue. Aucun problème. J'ai mis à jour le logiciel de votre communicateur et activé son scanner. Son écran vous montrera des choses que vous ne pourriez pas voir autrement. Comme des fantômes. Je t'ai déjà dit que c'était ton reflet, Franck. Merci, Ellie. Je n'oublierai jamais ces drôles d'yeux globuleux. Je veux devenir capitaine avant la quarantaine.
Si vous cherchez des donuts... Tu vas aller réveiller le chef? Bon. Alors après, j'ai un nid de frelons sur lequel il faudrait aller taper à coups de bâton. Ça a l'air amusant. Je l'ai déjà fait une fois. Je pensais que c'était une piñata, en fait. Mais c'en était pas une. Les bonbons dedans m'ont fait mal à la bouche. Ça a été mon pire goûter d'anniversaire. Si vous cherchez des donuts, ils sont dans le bureau du chef. Enfin, ils y étaient. Alors voyons voir. Cause de l'accident, le conducteur interpellé essayait de savoir combien de temps il pourrait conduire les yeux fermés. Il a effectué une marche arrière dans la fenêtre de sa maison et fini sa course dans la cuisine. Vous pouvez toujours frapper à la porte, il n'entendra pas. Il a le sommeil vraiment très profond. Oh, vous l'avez trouvé? Bon, je vais vous laisser le réveiller, une tâche importante m'attend. Ma partie de jeu vidéo! Youhou! Vous n'aviez pas vraiment envie de ce briefing sur Rex Fury, si? Allez, on vous attend pour le briefing. Debout! Je veux pas... Bon, faudrait essayer quelque chose de plus sonore. À propos de Fury, ça vous est déjà arrivé de réveiller le patron pendant sa sieste? Je me reposais juste les yeux et les bras et les jambes. Oh, ah, c'est encore vous. Très bien. Salle de réunion, dans une minute. Allez, dépêchez-vous de vous asseoir. Hé, Harry, t'en es à combien de café? Ouais, je sais ce que tu penses. C'est 6 fois qu'il en a pris ou c'est 5 fois seulement. Si tu veux savoir... C'est bon, t'en as eu assez. Bien, j'irai droit au but. Madame le maire pense que nous devrions rechercher cet homme. Rex Fury. C'est un géant! Rex a réussi à s'échapper d'Albatros Island il y a 3 mois. On ne sait toujours pas comment, mais ce n'est pas ça qui est important. Ce qui est important, c'est que vous compreniez que... J'espère que vous avez bien noté. Alors, Rex Fury est un criminel récidiviste depuis ses 6 ans. Juste ciel, mais à cet âge, il était encore à l'école maternelle. Élémentaire, mon cher ami. Nous avons réussi à le coincer quand un témoin secret s'est manifesté. Enfin, secret, jusqu'à ce que quelqu'un ne dévoile accidentellement son identité. Le témoignage de Natalia nous a permis d'arrêter Rex. Il a essayé de s'enfuir, mais il est bêtement monté à bord d'un tracteur tondeuse. Coupez le contact du tracteur! Son autre erreur a été de sous-estimer les capacités de celui qui, au final, l'a arrêté. Si Rex est derrière cette vague de crimes, il faut le remettre derrière les barreaux. Donc, pour aider à traquer celui qui est derrière tout ça, j'ai fait installer des caméras à des points stratégiques. Le musée, le manoir de Forest Blackwell, et bien sûr, les banques. Mais, ce briefing est terminé! Tout le monde à la banque! Juste une dernière question, chef.
commettre le crime, Chase ? N'oubliez pas, même s'il y a un cambriolage en cours, nous devons toujours conduire prudemment. Bien sûr. Le dernier arrivé devra acheter tous les donuts du chef pendant un mois. Hey Chase, j'ai à nouveau mis à jour votre communicateur et activé le système de navigation. Vous pouvez l'utiliser pour vous orienter dans Lego City. J'y ai marqué l'emplacement de la Cherry Tree Bank avec un insigne de police. Parfait! Vous n'avez plus qu'à suivre la ligne verte. Elle vous conduira droit là-bas. Chase? Oui, chérie? Je me suis trompé de direction. On pourrait annuler le pari? Pour longtemps. Chase, pouvez-vous me dire où vous en êtes? Eh bien, je viens juste d'arrêter le voleur en fuite. Eh, bon travail! Et ça tombe bien! Un témoin à proximité du Café Red vient de nous signaler un clown qui se dirigeait vers le toit. Ça pourrait être un de nos cambrioleurs, ça, non? J'espère, sinon je risque juste de gâcher une fête d'anniversaire. J'y vais tout de suite. Bon, où j'ai mis mon sifflet de policier? Un seul coup de ce sifflet devrait me permettre d'arrêter la circulation à ma guise. Eh, mais attends, ça veut dire que je ne raterai plus jamais un camion de glace? Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Y a-t-il parmi vous un clown braqueur de banque? Ah, je me doutais que ce serait pas aussi facile que ça. Je ferais mieux de contacter Ellie. Ellie, il n'y a aucune trace d'un clown par ici. Pas d'inquiétude. J'ai mis à jour le logiciel du scanner de votre communicateur. Utilisez-le pour examiner les alentours du toit du café. Il vous signalera toute personne aux environs qui pourrait être un voleur. Et ensuite? Eh bien... vous l'arrêtez ?
Il est temps de rendre ces lieux tout gris un peu plus jolis. Ah, c'est déjà mieux. Magnifique! Mais bon, c'est juste mon avis. J'ai quand même fait un sacré chemin pour venir arroser les plantes d'un parfait inconnu. Monsieur l'agent? Mon patron va faire la fête. Je suis encore en retard. Wow. Oh, tu m'as presque attrapé, là. Nananer. Qu'est-ce que tu attends en bas? Tu n'arrives pas à sauter assez haut? Vous ne m'aidez vraiment pas à rester calme et professionnel, vous savez. Hey, coucou, coucou. Salut. Salut. Hey Jacques, pourquoi t'escalades pas ce haricot magique? Oh, désolé, je l'ai cassé. Sortez de là, main en l'air. Oh, laisse tomber. Stop. Ou alors, je continue à vous courir après. Arrête de me courir après. Je suis un clown innocent. Stop. Ou alors, je continue à vous courir après. Laisse-moi tranquille. Alors, préférez-vous les questions en douceur ou de la manière forte? En douceur! J'ai entendu un des autres types dire qu'il embarquerait sur un cargo si le braquage tournait mal. Alors, j'aurais droit à une chouette cellule? Bien sûr. Eh ben, ça s'est vraiment fait en douceur. Chase, vous avez trouvé le voleur? Le timing de vos appels est troublant. Oui, il est en garde à vue. Apparemment, un des autres voleurs serait du côté des docks. Vous comptez l'arrêter, lui aussi? Attendez que je vérifie dans mon agenda. Passez-moi un coup de fil quand vous l'aurez attrapé. C'est une urgence. Bonne réparation.
Ah, super. Et je fais comment pour rentrer là-dedans? Ah, il y a encore un imbécile qui a bloqué le portail. Hé, s'il vous plaît, monsieur l'agent, vous pouvez me rendre un service? J'ai besoin qu'on m'ouvre ce portail, là. Ce serait avec plaisir. Super. Suivez-moi. Passez par la porte, là-haut, et ne dites pas au contremaître ce qu'on a fait. C'est contraire aux règlements d'hygiène et de sécurité. Hey, merci, monsieur l'agent. Et souvenez-vous, par un mot au contremaître. Il me l'a piqué dans ma main. Excusez-moi, pourriez-vous me dire comment monter sur ce cargo? Facile. Je siffle un coup et Larry vous embarque avec sa grue. Super. Je serai ravi de le faire dès que ma pause déjeuner sera terminée. Ok, d'accord. C'est-à-dire jamais, vu qu'un sale goéland m'a piqué mon sandwich. Je vais vous le récupérer. Mon sandwich est facile à reconnaître. Il a plus ou moins la taille d'un sandwich. S'il y a du concombre dedans, c'est pas mon sandwich. S'il y a une saucisse et de la gelée dedans, c'est bien mon sandwich. Donne-moi ce sandwich, espèce de rat volant. Oh, il a l'air un peu dégueu. Mon sandwich. Mon sandwich. Larry, embarque donc ce type sur le bateau. Ok, Doc, chef. Et pas de chance pour vous, je suis en forme aujourd'hui. Vous ne m'attraperez jamais. Stop! Police! Tu veux que je ralentisse pour la jouer fair play? Thank you.